Thank you.
a tous eus. J'espère bien. Allez, on retourne en ville. Un peu d'air frais. La même chose que j'aime ici, c'est ça. J'ai horreur de l'odeur qui est en ville. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Hé, hey, ce serait une bonne idée s'ils n'étaient pas tous périmés. Par ici. Ouvre l'entrée. C'est bon. Vas-y, passe-la moi. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Ramène tes fesses, on y va. Quelle autorité? On est presque arrivé. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va.
Ramasse ces munitions. Je suis sûr qu'on en aura besoin. Regarde si la voie est libre. Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok?
sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Allez. Hey, ma belle, comment ça va aujourd'hui? Pas maintenant, Thérèse. Non, c'est bon. Pas la carte. Maintenant, t'as compris? Ok, je peux le faire. Si tu touches, tu payes. Yes. Ça faisait un bail. Tu nous rends plus visite. C'est qui ça? Occupe-toi de tes affaires. Désolé, mais tous les chiens sont déjà réservés. Je les ai vendus en moins d'une heure. Reviens dans une semaine. Maniez-vous, on crève de faim. On se calme un peu. La prochaine tournée arrive toute. T'as intérêt à faire la queue comme tout le monde. Putain, ça fait un bail que j'attends ça. Pas de carte de rationnement, pas la peine de me faire perdre mon temps. Je suis pas là pour faire du troc avec des balles. Où est-ce que tu crois aller? Malik, rassieds-toi. Désolé, Tess, j'avais pas vu que vous étiez ensemble. Allez-y. C'est qui? Une vieille prise de tête, cherche pas. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Wow, attends un peu. Ouais.
C'est parti. Faut qu'on passe. Vous feriez mieux de faire demi-tour et de rentrer chez vous si vous tenez à la vie. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Faites demi-tour et foutez-moi le camp. Hors de question que je parte sans Robert. Hé, hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas d'ici immédiatement. Eh merde. Planquez-vous! T'es prêt? Ouais. Je vais vous faire la peau! Je te couvre. Élimine-les. Jouer le Texan. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en blanc. Allons y mettre un terme. On peut pas passer par là. Hé, aide-moi à monter. Okay, bien. Par ici, Joël. Encore des gars de Robert. Merde, je les vois. Comment tu sais qu'ils arrivent? Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Était précis, Texas. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. En fait, je suis passé par Jordan Street et tout un tas de soldats ont débarqué avec 5 civils, avec des menottes au poignet. Laisse-moi deviner, des lucioles? Ouais, ils les ont alignés contre le mur et bam bam bam, ils les ont tous exécutés. Putain de merde. Ouais, c'est comme ça partout en ville. Ils leur tombent dessus sans ménagement. J'ai un cousin avec eux. T'es sérieux? Ouais. Ce crétin pense qu'il va sauver le monde. J'espère qu'il va bien. Allez, on fouille le coin.
a consolidé les caisses dans l'entrepôt sud. Tout est sous clé. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert, alors? Il se planque chez qui? Derrière, oui. Je sais pas, mais... fais attention. Sois prudent, vieux. J'ai rien vu par ici. Bon, on peut continuer alors. Encore un mort! Déployez-vous, les gars! On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Ils nous auraient ralenti. Ouais, t'as raison. Viens, les clés sont par là. On y va.
à notre homme. Ce sale fils de pute. Allez, finissons-en. Il faut qu'on réfléchisse. C'est un moment rien d'arrivage. Ouais, bah on a perdu nos contacts au nord. Même chose au sud. Merde, je sais même pas s'il reste quelqu'un pour fourguer les trucs. Du coup, on doit prendre ses boulots pourris de garde du corps. Cet enfoiré de Robert ferait bien de tenir parole. Et ça t'avancera à quoi, hein? Je te le dis, cette zone est foutue. On ferait mieux de trouver un moyen de filer ici. T'es dingue. Robert a vraiment le don de se mettre les gens à dos. Oh non, 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 non. C'est bien que tu sois là. Ici! C'est pas vrai. Mais... Chopons-les ! Bien visé. Couvre-moi, avance !
vois? Il est pas ici! Oh. Tu peux plus m'échapper! Ouais, allons jeter un œil. Il est par ici! Pitié, laisse-moi partir! Bon, très bien. Reculez, bordel! On veut juste parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain! Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Isvar! Robert! Joël, par ici! Joël, sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué, d'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah oh, merde. Ah, stop! 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 Merde. Arrête de gigoter. Tu disais? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah, enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà.
la reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant! Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. C'est par là. Je connais un autre chemin. Venez. Ce sont les Lucioles? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. Donne-moi un coup de main.
Hé, tu tiens le coup? Ça ira. Stop. Des soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. On n'est plus très loin. Allez. Où est-ce qu'on va, Marlène? Par ici. On n'est plus très loin. Ça va? Plus pour longtemps. Mais ça va aller.
On est presque arrivés. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise ? Je vous montrerai. Joël, donne-moi un coup de main. Attends un peu. Relève-toi. T'approches pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeune? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Mais ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie, c'est notre seule chance. Et... c'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes. Et je pourrais me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une bonne idée. La merde, je vais pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. D'accord. L'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène... Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez! J'ai entendu les tirs, mais... c'était quoi? Les lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. Attention. C'est toi l'expert. Par ici. Dépêche-toi. Mais oui. Où est-ce qu'on va? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Donne-moi une minute.
ce tunnel. Vous faites du trafic dedans? Oui. Des trucs illégaux? Parfois. Et une gamine, ça se fait? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Ah ben. Il faut pas. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y.
trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission? Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Il nous attend au point de rendez-vous. Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis une autre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? C'était la fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Ok. C'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Va nous aider. J'ai trop peur. Je suis vraiment dehors. Thank you.
Par là-haut. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée! Merde! Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner, alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours. Alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Putain! J'ai 2 soldats morts. Suivez-moi. Ok. Quand je te donne le signal, on court. Signal, on court. Figé. Vas-y, cours. Dû réussir à passer. Vérifiez les tranchées. Restez derrière moi. Pas rien du tout, ici. On est sûr qu'ils sont passés par là? Je porte un contraire, on poursuit les recherches. Attention, il est là. Pas qu'ils nous voient. Allez, y'a rien. Tant pis, les
peut passer par là. Passez en dessous. Ok, allez. Allez, Ellie. Ils sont trop nombreux. Ah!
Peu de lumière. Merde. Soigne ta blessure. Tess, tu sais par où il faut aller? Ouais, ça doit être ça. T'éloigne pas. Au moins, on n'est pas sous la pluie. Quoi? Je crois qu'on peut passer par là. Escouade Charlie au rapport. Merde, merde. Encore des soldats. Cible toujours en fuite, Seth. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'ils nous aient vus. Bien sûr. Tous à vos véhicules. Restez dans l'ombre. Ok. On est en sécurité? Non. Ils sont encore dans le coin. Reprends ton souffle quelques secondes. Joël, regarde s'il y a des trucs utiles ici. Compris, chef.
Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est... la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. C'est à ça que ces immeubles ressemblent de près. Ils sont immenses.
avance. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont largué un maximum de bombes autour des zones de quarantaine pour essayer de tuer le plus d'infectés possible. Ça a marché. Pendant un temps. Qu'est-ce que c'était que ça? Tess, t'entends ça? Ouais. Mais ça venait d'un coup. Par ici. Hé, Tess! J'arrive. Thank you.
Il s'est fait massacrer. Ouais. Le corps est encore chaud. C'est mauvais signe. Ouais, peut-être bien. Traînons pas ici. On dirait que ces types sont morts en attendant les renforts. Ça des années d'infection. Mais alors ils sont aveugles? Si on veut. Ils se repèrent au son. Comme les chauves-souris? Comme les chauves-souris. S'il y en a un qui claque, cache-toi. Sinon. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. Attention à la tête.
Donne-moi un coup de main. Tiens, remets-toi sur pied. C'est sympa. Allez, foutons le camp d'ici. Bon, regarde s'il y a un moyen de passer. Okay. La voie est libre. Allez, Ellie. Ok, à ton tour. Allez. C'est ça. Ok. Allez, allez. Go!
c'est bon. Ellie, tout va bien? À part que je me suis pissée dessus, ça va. C'est parti. L'escalier est bloqué. On fait quoi? On remonte? De 20 ans exposé aux intempéries au monde. Bon sang. Ouais, arrivé. Allez, Ellie. Oh, ben, regarde. Ça va aller. Je vais aller voir. Reste avec la fille. Thank you.